Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans des circonstances particulières. Je suis avec mon gars Joël, comment vas-tu? Ça va très très bien, il fait un peu froid, ça change des vidéos habituelles, tu vois, j'ai la bouche un peu figée, mais voilà, c'est tranquille en direct de Saint-Nazaire. Non! De Saint-Brévin-les-Pins. Aujourd'hui, on est dans cette combinaison car c'est une vidéo en partenariat avec la SNSM. La SNSM, c'est l'organisme qui réalise une bonne partie des sauvetages en France, que ce soit en mer ou sur les plages. Et ils nous ont contactés pour nous former, partager leurs activités et également recueillir des fonds parce que ça coûte cher. Le lien est dans la description, je vous invite à le visiter et on en parle un peu plus loin dans la vidéo. Et la question fatidique que tout le monde se pose, Joël, est-ce que tu sais nager? Moi, je nage comme un labrador, comme j'ai dit. Je nage pas très bien, mais je sais nager. Voilà. Et de toute façon, vous allez avoir des vidéos exclusives, vous allez voir nager. Je vais vous donner des leçons. On va apprendre certaines choses, on va aller à l'eau alors qu'il fait froid, ça va être très divertissant. C'est parti. Et pour nous accompagner et nous former, on est aujourd'hui avec... Didier, je suis le directeur de la formation de la SNSM. Et donc moi j'ai créé la direction de la formation en 2009, à partir d'une feuille blanche. Et autrement, j'étais dans l'association depuis 1984, où j'ai commencé comme nageur-sauveteur. Et ensuite j'ai gravi tous les échelons, chef de poste, formateur, équipier vedette, patron. Bonjour, je m'appelle David, je suis formateur à la SNSM au pôle national de formation. Je suis sauveteur depuis une trentaine d'années maintenant, j'ai 25 saisons de plage à mon actif. Bonjour à tous, moi c'est Jordan Perronnet, je travaille à la direction de la formation SNSM à Saint-Nazaire. Avant j'ai été sauveteur pendant une dizaine d'années. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu, je suis formateur à la SNSM, je suis nageur sauveteur depuis 13 ans et formateur depuis 9 ans. Aujourd'hui on va voir comment on s'occupe d'une victime d'une noyade. Ça, on a besoin de matériel. En premier temps, on l'a sorti. Madame, madame, est-ce que vous m'entendez? On va vérifier si elle est consciente ou inconsciente. Elle respirera. 30 compressions et 2 insufflations. 5 à 6 cm par le défibrillateur. Quand on fait attention, on s'écarte, on ne touche pas. Si on choque, je choque. On va pouvoir utiliser donc l'oxygène. Essayez peut-être le massage. Bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est bien. Est-ce que tu as déjà eu des cas de figure où tu as dû le faire vraiment? Ouais, moi j'ai déjà fait 2 fois. Ok, d'accord. Et genre pendant un long moment? Ouais, pendant un long moment, pendant une heure et demie la première fois et une heure la deuxième fois. D'accord. Tu veux que je vienne? Ouais. Tu vois, j'aurais le premier coup, tu vois, hop. Et là, tu vois, la personne, elle repart en quoi? 2-3 minutes? C'est ça. On a un petit souci avec le casque de ce monsieur. Est-ce que je le prends? Ouais, le casque est trop petit pour ma tête. Voilà, donc j'ai une grosse tête. T'as un petit flow là ou pas? Ouais, ça va, je suis bien. Ouais. On dirait un Cyberman, moi ça me régale. Comment ça se ferait? Les amis, on passe sur la phase de sauvetage, on est équipé, on va aller sur le jet, on va aller en large. Et en fait, comme vous voyez, sur le jet, c'est un ponton derrière, c'est pour ramener les victimes. L'un de nous deux sera victime, on va aller chercher à l'eau. Et je peux vous assurer, regardez mes mains, c'est pour le contenu. Hey, tu la pousses que je vais taper sur le truc derrière, j'ai trop la haine. Je vais me mettre à 4 mètres comme ça là. J'ai trop la haine. Aidez-moi, s'il vous plaît. Heureusement que j'étais là, sinon j'allais mourir. Comment allez-vous? Vous sentez comment? Allez, on vous ramène. Oh. On vous ramène, monsieur. T'inquiète, t'inquiète, ça va. Et donc, voici notre ami la victime, qui a allongé. C'était moi une. Voilà, monsieur, montez. Sauvetage réalisé.
Voilà. Et là, tu stabilises. Mon ami Joël, comment c'était ? Hâte d'être sauvé. Ça t'a fait quoi d'être dans l'eau et d'être secouru par ton pote Zach ? Au début, franchement, tu sais, j'avais une appréhension, c'est par rapport à la température et tout. Alors, même si c'est un exercice, tu vois qu'on est récupéré relativement vite. C'est très carré, t'es en sécurité. Donc et retour sur le jet ski comme ça. C'est incroyable, j'ai bien kiffé. Dédicace à David et au staff qui nous ont formés vite fait là-bas, qui nous ont montré un peu les gestes, comment ça fait, et l'expérience, parce que franchement, c'est incroyable. Merci à l'SNSM, parce que cet après-midi, on a encore un programme. Et voilà, ça régale. On est complètement ready avec mon gars Joël, intérimaire à mi-temps. Exactement, voilà, si Twitch ne marche pas assez, on va venir sauver des vies. Et moi j'ai ma vraie tenue complète, comme ça. Au contact des poissons. Exactement, regardez jusqu'au pied. Cette fois on va pas avoir trop froid. C'est du vrai mannequin. C'est comme ça qu'on apprend à sauver des vies. Oh il est lourd. Prends-le. Oh, il est lourd. Ah ouais, il est lourd de fou. Il doit faire 80 kilos le truc. Il fait facile 4. Tu sais il fait combien de kilos? 80 kilos. On va le garder comme ça en attendant. Parce que vraiment. Ah il est. Alors ce nom. Ne tape pas. C'est une victime gros. Tu manges ça ou pas? Mais si tu veux, je t'avais raconté dans Radio Street, mais peut-être qu'il y en a qui n'ont pas entendu cette anecdote. Tu sais, mon père il vient du bled, ça, il savait pas que ça se mange très très vite. Donc à son travail, on avait reçu. Donc nous, on arrive, on est content, des huîtres et tout. C'était la première fois qu'on en mangeait, on n'a pas oublié le détail, c'est qu'elles sont restées 5 jours au frigo. Et un soir, vers 3-4 heures du matin, je me dis, mais j'ai mal au ventre, c'est un truc de ouf, tu vois. Je sors pour aller aux toilettes. Et sort, je vois au salon, il y a tout le monde. Il y avait mon père, la queue, ma belle-mère, il y avait le cousin qui était là. Tout le monde était malade, c'était un truc de fou. Les amis, on continue. La SNSM nous accompagne pour cette journée. Et comme vous l'avez compris, la SNSM, c'est pas une société, c'est une association, loi 1901, qui vit avec énormément de bénévoles. Et pour pouvoir assurer toutes ces activités, ces sauvetages et tout, il y a beaucoup de matos. Voilà, vous le voyez. Bien, nos chauds. Exactement. Et notamment pour les bateaux, pour pouvoir vivre, c'est une association qui a besoin de dons. Donc n'hésitez pas, si vous kiffez bien la vidéo, n'hésitez pas à aller regarder. Dans la description, il y a un lien pour pouvoir participer si vous avez envie de pouvoir les aider à financer tout ça. Et on se retrouve avec Antoine. Bonjour Antoine, comment vas-tu? Bonjour, très bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, Antoine, de la direction de la formation. Je suis le directeur adjoint. Nous formons à peu près 1500 stagiaires ici au Pôle National de Formation à Saint-Nazaire. Et qu'est-ce qu'on va faire de beau cet après-midi? Pourquoi est-ce qu'on est là? Alors là, cet après-midi, on va vous faire découvrir une petite partie de notre travail, c'est-à-dire qu'on va simuler un homme à la mer et on va recevoir un appel du CROSS, qui est un centre régional de surveillance, opérationnel de surveillance et de sauvetage, qui va nous dire plus ou moins où est situé l'homme à la mer. Et ensuite, on enverra certainement un nageur pour aller récupérer cette personne et la remonter à notre bord. C'est même le petit bruit de camion, là, on dirait un camion. Ah non, moi je suis à l'aise, hein, moi je kiffe ma race. Hein. T'es un homme de la mer ou pas? Ah moi j'aime bien, hein. Moi j'ai pas de mal de mer, le mal de mer c'est pour les chouchottes, hein. Moi... C'est comme les conducteurs de bus, on se fait des signes entre collègues. Ah bon les gars. Ils ont pas répondu. Ils ont pas calculé. Ils ont pas vu. Ils ont vu, écoute, sur la vie de ma mère ils ont vu. Ils ont pas vu. Sur la tête, c'est un menteur. Non ils ont pas vu. Non, c'est mes collègues, gros, ils ont pas vu. Ils nous ont dit, mais pourquoi, on s'est vu il y a 5 minutes, pourquoi ils nous font un signe? Regarde. Ils veulent pas répondre, frère. Ils vont venir. Eh, ils veulent décroper à tout le monde. Si je tombe à l'eau, là, tu viens me sauver ou pas? Non, il a pris une douche, il peut pas. Une douche. Il peut pas. Je vais arriver là, je viens. Je prends une douche, je sais. Regarde, je suis un homme de la mer. Donc là vous êtes sur une vedette de première classe, c'est un bateau qui fait 15 mètres, vous avez 2x500 chevaux comme moteur, normalement c'est 6 membres d'équipage. Réserve d'oxygène, les réserves de gilets, on peut mettre les victimes ici si on en a beaucoup. Ok. Mais faut pas être claustrophobe hein. Ah oui. Mais Zach, par rapport à ce matin, c'est quoi qui fait la diff là maintenant? Surtout qu'est-ce qui fait la diff? C'est les pieds frère, c'est les pieds. Ça va être game changer. On laisse combien de temps dans le
une heure et demie, non? Ouais, un petit deux heures. À partir du moment où il change de couleur, ouais, dès qu'il... deux minutes. Dès qu'il passe au bleu, on va aller à l'eau et ensuite on va venir me remorquer. Ah oui, oui, je vois, tous les écrans sont brandis sur moi. Et si tu rates ton sou? Dédicace au SNSM. Ouais. Merci à eux pour cette expérience incroyable. Pour rappel, c'est une association qui vit également avec vos dons. Donc n'hésitez pas à leur donner, c'est très important. Dons défiscalisables, mon pote. Exactement. N'hésitez pas à y participer, voilà. N'est-ce pas? On va ce qu'il dit, hein. Non, plus sérieusement, ça vit grâce à vos dons, et vous avez compris, ça a du matériel, ça a besoin de moyens, donc très important vu leur activité. Tout pour le contenu. Vincent, plongeons. Allez, plongeons. Les pieds dedans. Il va faire en plein. Ah, c'est bien froid. Ah, ça va. Ah, il y a eu l'or Mamadou. C'est l'or Mamadou. Ah ouais, c'est l'or Mamadou. Attends, il reste comme ça tout seul, là. Au revoir, les amis. Ah, allez, SNSM, s'il vous plaît. Intervention. C'est impressionnant. Comme il dit, n'hésitez pas à faire des dons. Imagine, tu te retrouves dans une situation comme ça, n'importe quoi. Il y en a qui vont dire, ouais, mais je sais nager, mais je suis n'importe quoi, ton petit frère, ton neveu, dans une situation compliquée, franchement, ça, c'est vraiment trop important, ces gens-là. N'oubliez pas, faites des dons, il y a des vies à sauver. Ah, monsieur. Ouais, ça va. Hein? Allez, on va rentrer les jambes. Je suis encore un peu. C'est bon. C'est... ce qu'on fait pour YouTube, c'est fou. Hein. Je crois que j'ai jamais sauté dans une eau aussi froide de ma vie. La combinaison à Carissa. Merci pour le sauvetage. You're welcome. Non, mais c'est vraiment... c'est... par contre, en vrai, c'est une bête d'ambiance. J'aime beaucoup. Antoine. Vous allez bien, monsieur? Comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Comment je vais? Bah, j'ai glissé. Ok. J'ai glissé, ça arrive. Pas trop cool. Ok. Est-ce que tout va bien? C'est bon? Allez. T'as les gestes? Hein? T'as les gestes? Ouais. 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 Attends, mais mets-toi dessus, là. Allez. Par en haut. Ok. Monsieur, vous allez bien? Est-ce que vous pouvez me serrer la main, s'il vous plaît? Ouais. Bien? Non, ça va pas du tout. Voilà. Eh oui, on vérifie, voilà. On vérifie qu'il n'y ait pas de fuite, pas de vomi. Il est en pleine forme. Bravo! C'était une petite démo. Didier, que vous avez vu, il a insisté pour que je fasse du SR. Il m'a dit que ça allait beaucoup plus vite. Les sensations étaient folles. On est dans le sas avec les autres bateaux et vous voyez juste ici des grandes portes. Le mécanisme il est marrant parce que les grandes portes vont se fermer, l'eau va monter et c'est comme ça qu'on va sortir. Les amis, on termine cette vidéo par le simulateur. Voilà, c'est ici où il s'exerce la journée. Regardez, Joël, il s'amuse à toucher regardez, à toutes ces choses. Touche le volant vite fait. Voilà, c'est vraiment une simulation parce qu'il ne sait pas conduire et il n'a pas son permis. Je remercie le SNSM de nous avoir accompagnés sur cette journée. T'as apprécié, Joël? C'est vraiment cool, vraiment cool. On a appris des choses et franchement, Saint-Nazaire, c'est pas si moche que c'est certains. Encore merci au SNSM, n'hésitez pas à aller checker comme on vous a dit les liens dans la description, notamment pour pouvoir les soutenir et soutenir leur activité. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui ont aidé à produire cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Et on vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao.